parlé du rattrapage pondéral et du développement cérébral chez les nouveau-nés qui ont un retard de croissance intra-utérin. Alors d'abord, je voudrais revenir sur quelques définitions, parce que dans la littérature, il y a plusieurs termes qui sont utilisés de façon indifférente et qui ne correspondent pas à la même entité clinique, si je puis dire. Donc il y a déjà la définition assez globale du peu faible poids de naissance inférieur à 2,5 kg. Donc ça, c'est souvent utilisé dans les grandes études épidémiologiques. Il y a le terme petit poids pour l'âge gestationnel, on dit PAG en français. Donc ça, c'est une seule valeur de poids, une seule valeur qui va être évaluée à partir des courbes de référence pour l'âge gestationnel et qui va être considérée le plus souvent comme étant inférieure au dixième percentile. Et puis, il y a le retard de croissance intra-utérin qui est une vraie restriction de croissance qui là, correspond en fait à une dynamique de croissance, ce qui sous-entend que l'on a fait plusieurs évaluations du poids, soit du fœtus, soit à la naissance. Donc là, le retard de croissance intra-utérin, c'est en fait le reflet de la malnutrition fœtale, c'est-à-dire que le fœtus n'a pas atteint son potentiel de croissance qui est déterminé par un certain nombre de facteurs, notamment des facteurs maternels. Et donc ces enfants, on les reconnaît bien à la naissance, hein, ils ont un aspect très dénutri. Et de mon point de vue, ce sont ces nouveau-nés qui sont à risque et qui vont nous poser des problèmes. Alors tout d'abord, quelles sont les conséquences du retard de croissance sur le développement et la programmation des organes? Le premier organe qui nous intéresse, et le topo précédent nous l'a bien montré, c'est le cerveau. Donc il y a un certain nombre de données sur les conséquences du retard de croissance intra-utérin et le développement cérébral, et notamment à partir des données de l'IRM, qui montrent qu'il y a bien une modification du développement spécifique au retard de croissance, avec en particulier la diminution du volume de l'hippocampe, retard de maturation des faisceaux de la substance blanche en cours de myélinisation, retard de développement de la connectivité interhémisphérique et des modifications du métabolisme énergétique cérébral. Donc, dans cette revue, les auteurs ont repris les données animales et humaines sur les conséquences du retard de croissance sur le développement cérébral. Et donc, vous voyez que par l'hypoxie chronique, l'hypoglycémie, le stress oxydant et l'inflammation, eh bien, il y a à la fois une atteinte de la substance grise avec une diminution de volume, une diminution du nombre de synapses, mais aussi une atteinte de la substance blanche avec donc le défaut de myélinisation, comme on vient de le dire, une vascularisation altérée et une neuroinflammation. Donc, ces modifications au niveau cérébral ont des conséquences qui ont bien été objectivées par différentes études. Donc, par exemple, cette étude sur la cohorte EPIPAGE 1 qui incluait des enfants prématurés, donc avec des enfants qui ont été évalués à l'âge de 5 ans par le score de KABC et par leur performance scolaire à l'âge de 8 ans. Et donc, vous voyez, il s'agissait de prématurés entre 29 et 32 semaines. Il y avait parmi eux ceux qui avaient un poids inférieur au dixième percentile, ceux qui étaient entre le dixième et le vingtième et ceux qui avaient un poids adapté pour leur terme. Et donc, si l'on s'intéresse à la partie du neurodéveloppement, ce que montrait cette étude, c'est qu'il y avait un risque augmenté de déficit cognitif pour les prématurés qui étaient nés SGA, donc inférieur au dixième percentile, mais aussi d'ailleurs pour ceux entre le dixième et le vingtième percentile. Et sur ce point, j'attire votre attention sur le fait que personnellement, je considère qu'un prématuré au vingtième percentile ou juste en dessous du vingtième percentile, pour moi, un début de restriction de croissance. Et on retrouvait des résultats confirmés, si je puis dire, à l'âge de 8 ans, avec des difficultés scolaires augmentées pour ces deux catégories de poids de naissance. Alors, chez le nouveau-né à terme, il y a aussi des études qui ont montré des difficultés scolaires pour des enfants donc nés à plus de 37 semaines, qui avaient un retard de croissance intra-utérin. C'est la cohorte de Haguenau sur laquelle de nombreuses études ont été conduites. Et vous voyez qu'on montrait bien que ceux qui étaient nés avec un retard de croissance intra-utérin avaient, disons que le pourcentage de non-bacheliers était plus élevé chez ces enfants, de même que le pourcentage d'entrée retardée au collège. Mais pour autant, même si le cerveau est un organe qui est particulièrement vulnérable et atteint dans cette condition, il faut savoir qu'il y a en fait l'ensemble des organismes qui vont être atteints en cas de retard de croissance intra-utérin. Il faut considérer qu'un nouveau-né avec retard de croissance intra-utérin s'est développé dans un milieu intra-utérin altéré, ce qui a entraîné la modification de la programmation de plusieurs organes, comme vous le voyez sur ce schéma, avec des anomalies de l'insulinosécrétion, une résistance à l'insuline, en particulier au niveau musculaire, des anomalies vasculaires et rénales, des anomalies du métabolisme hépatique, des troubles de la régulation de l'appétit,
Et tous ces éléments vont contribuer à augmenter le risque de diabète, d'hypertension, de dyslipidémie et d'obésité. Donc, il existe un lien entre l'altération du milieu intra-utérin et le développement de maladies à l'âge adulte. Et vous savez, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de Barker. Et on a pu montrer, en effet, chez des enfants nés avec un retard de croissance intra-utérin, donc là, dans cette étude, on considérait comme valeur seuil un poids de naissance inférieur à moins 2 DS, eh bien que ces enfants à l'âge de 4 ans, puisque là on est entre 2 et 4 ans, avaient plus de masse grasse abdominale, un pourcentage de masse grasse totale plus élevé et une insulinémie à jeun augmentée, ce qui signifie qu'en fait ils avaient déjà une résistance à l'insuline. Et dans cette étude, les auteurs ont montré que la masse grasse abdominale et la masse grasse totale étaient particulièrement influencées par la rapidité finalement de la prise de poids entre 0 et 2 ans, plus que celle entre 2 et 4 ans. Donc en fait, on sait à l'heure actuelle, et c'est le concept de DOAD, vous savez, de Developmental Origin of Adult Disease, on sait maintenant qu'un certain nombre d'expositions précoces vont altérer la santé à l'âge adulte. Donc en premier, la restriction de croissance dont je viens de vous parler, mais on sait aussi que parmi ces expositions précoces, il y a la croissance postnatale qui va influencer aussi le devenir à l'âge adulte. Donc, finalement, la question, quelle vitesse de croissance et pour quel avenir? Alors, je vais déjà vous parler d'une étude qui a été faite chez des enfants prématurés. Donc, l'intérêt de cette étude, c'est qu'elle s'est intéressée à la vitesse de croissance entre la naissance et le terme, entre le terme et 4 mois, et entre 4 et 12 mois. Donc, vous voyez, il s'agissait d'une cohorte de nouveau-nés prématurés, une cohorte assez importante, née en âge moyen de 30 semaines, pour lesquelles on avait fait un score de Bayley à l'âge de 18 mois. Et donc, ce que les auteurs montraient, c'était qu'un gain de poids de BMI, donc d'IMC, entre la naissance, et le terme, avait un effet favorable sur le score de Bayley à 18 mois dans ces deux composantes. En revanche, le gain d'IMC entre le terme et 4 mois ou entre 4 et 12 mois n'avait pas d'effet bénéfique sur le score de Bayley. Donc, les auteurs considéraient qu'après le terme, une croissance linéaire était associée à un meilleur devenir sur le plan neurodéveloppemental, mais qu'une prise de poids disproportionnée n'avait pas un bénéfice supplémentaire. Alors, petite remarque sur cette étude, ils avaient isolé les quelques SGA, mais vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en avait que 38. Et pour cela, ils montraient qu'il y aurait un bénéfice du gain d'IMC entre l'âge de 4 mois et de 12 mois sur le score de Bayley à 18 mois. Mais pour autant, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que l'IMC, c'est donc l'indice de masse corporelle qui correspond au poids sur la taille au carré, est le reflet aussi bien de la masse maigre que de la masse grasse. Et en fait, ce qui va compter, c'est surtout la composition corporelle. Et c'est ce que je vais vous illustrer avec cette étude qui s'est intéressée donc, chez des anciens prématurés au score d'IQ à l'âge de 2 ans, donc un autre score de développement. Et dans cette étude, les auteurs ont donc voyez que c'était vraiment des tout-petits, hein, un âge gestationnel autour de 28-30 semaines, que ceux qui avaient l'IQ le plus faible à l'âge de 2 ans étaient ceux qui avaient la masse grasse la plus élevée à la sortie de l'hôpital et le Z-score de masse maigre le plus faible. Et qu'à l'inverse, ceux qui avaient l'IQ le plus élevé avaient une masse grasse moins importante et avaient une perte de masse maigre moins importante aussi. Donc ce qui est important, c'est probablement plus que le BMI en soi ou l'IMC, c'est le gain de masse maigre qui va probablement plutôt influencer le développement neurologique. Alors, un autre point, donc du coup, toujours chez le prématuré, on va voir que, on va reprendre cette étude de Jean-Christophe Rosé qui est assez remarquable en ce qu'il avait intitulé « The Breastfeeding Paradox ». Il avait repris pour cette étude les données de la cohorte Épipage 1 et les données de la cohorte LIFT, c'est la cohorte des Pays de Loire. Et donc, ce qu'il avait montré déjà, c'est que les nouveau-nés qui étaient allaités à la sortie de l'hôpital avaient plus de risques d'avoir perdu un Z-score de poids à la sortie. Mais pour autant, vous voyez, c'était une grosse cohorte avec des nouveau-nés d'âge moyen de 30 semaines. Et pour autant, lorsque on regardait le score de KABC, donc un autre score de développement à l'âge de 5 ans, eh bien, il y avait un effet dose, si je puis dire, du lait de mère, ce qui rejoint un petit peu ce que nous disait
Pierre juste avant, et que finalement, ceux qui avaient un meilleur score à l'âge de 5 ans, c'était ceux qui étaient allaités à la sortie de l'hôpital et qui avaient été sevrés plus de 2 mois après la sortie de l'hôpital. Et ceux qui avaient un score le plus faible n'avaient jamais été allaités par leur propre mère. Donc, cela veut dire que malgré une prise de poids initiale plus faible, le lait de mère améliore les scores de développement à l'âge de 5 ans. Qu'en est-il pour les enfants avec un retard de croissance à terme? Donc cette fois-ci, donc on va partir d'une étude, une des rares études d'ailleurs, et à 18 mois, les performances de ces enfants, donc soit dans le groupe standard, soit dans le groupe enrichi, eh bien on pouvait constater que les scores étaient moins élevés dans le groupe qui avait reçu la formule enrichie. Vous avez là les différences entre les deux groupes, donc vous voyez, qui étaient quand même au détriment du groupe qui avait une formule enrichie. Et cette même cohorte a été suivie par la suite jusqu'à l'âge de 6-8 ans, où cette fois-ci on a mesuré la pression artérielle. Et là, on a pu constater que dans le groupe qui avait reçu une formule enrichie, eh bien, la pression artérielle systolique et moyenne était plus élevée que pour ceux qui avaient reçu une formule standard. Et là, vous avez encore une fois les différences qui, cette fois-ci, sont au bénéfice, les valeurs les plus faibles, du groupe qui avait reçu une formule standard. Alors, d'autres études ont pu montrer un lien entre la prise de poids précoce et la tension artérielle systolique. Donc, dans cette étude, les auteurs ont montré qu'une prise de poids rapide pendant les 6 premiers mois et aux âges préscolaires, comme vous le voyez ici, puisqu'on va jusqu'à 3 ans, augmenter la tension artérielle systolique, dans l'enfance, c'est-à-dire entre l'âge de 6 et 10 ans, indépendamment du poids de naissance. Donc là, vous avez les petits points noirs qui correspondent au Z-score, au changement de Z-score d'IMC, et vous voyez donc qu'il y a à chaque fois un lien entre ce Z-score cette augmentation du Z-score et la pression artérielle systémique. Alors vous allez me dire, sauf entre 1 et 2 ans, mais là, les auteurs, dans la discussion, considéraient qu'il y avait probablement eu un défaut de recueil de données sur cette période. Donc, l'augmentation de la tension artérielle systémique dans l'enfance a probablement des conséquences sur la santé cardiovasculaire à l'âge adulte. Concernant l'obésité, eh bien, cette étude est très intéressante. Là, vous avez, donc c'est un graphique en 3 dimensions, où vous avez ici le quartile du Z-score de naissance, ici le quartile du Z-score de poids à 6 mois, et la probabilité d'obésité à l'âge de 3 ans. Donc, ceux qui nous intéressent, a priori, c'est ceux qui sont dans le premier quartile de Z-score à la naissance. Et vous voyez que ceux qui sont dans le premier quartile de Z-score à la naissance et qui ont pris le plus de poids à 6 mois sont ceux qui ont le plus de risque. Vous entendez ? Ceux qui ont le plus de risque d'obésité à l'âge de 3 ans. Et donc, si on fait la synthèse pour les nouveau-nés de faible poids de naissance, des facteurs de risque d'obésité dans l'enfance, eh bien, on retrouve le rattrapage rapide, le poids à l'âge de 8 mois et un rebond d'adiposité précoce avant l'âge de 4 ans. Vous voyez qu'il y a d'ailleurs le plus fort impact, et je soulignerai au passage que l'obésité parentale a aussi un impact important, mais vous voyez qu'il est moindre que le rebond d'adiposité précoce. Donc, alors, que faut-il faire pour ces enfants, finalement? Eh bien, c'est très compliqué, finalement, de dire, oui, d'accord, mais comment je vais l'alimenter? Comment je vais surveiller sa croissance? Et donc, je trouve que cette étude assez récente est particulièrement intéressante, parce que donc là, les auteurs ont essayé d'identifier la trajectoire optimale de croissance chez des enfants nés avec un petit poids gestationnel. Donc, ils ont pris, vous voyez, une très grosse cohorte de 1957 nouveau-nés avec un petit poids de naissance de plus de 37 semaines. Et dans cette cohorte, en fait, ils ont identifié ce qu'on appelle des classes latentes de prise de poids. En fait, ça veut dire qu'ils ont essayé de catégoriser les enfants en fonction de la dynamique de leur prise de poids. Ils ont pu identifier ainsi 5 classes latentes. Alors, les premiers qui n'ont absolument pas rattrapé. Ensuite, vous avez le groupe B qui a commencé à rattraper jusqu'à l'âge de 4 mois, puis qui a fini par régresser. Vous avez le groupe C qui a fait un rattrapage lent, puis bon voilà, ça monte, mais très lentement. Le groupe D qui a ce qu'on appellerait la prise de poids appropriée, et le groupe E qui a un rattrapage extrêmement rapide. Et donc, en fonction de ces classes que je vous ai remis ici, eh bien, ils ont regardé un certain nombre de risques, d'outcomes, à l'âge de 7 ans.
Et ce qu'on peut voir, donc déjà, ceux qui ne rattrapent pas, bien sûr, ils gardent un risque de restriction de croissance à l'âge de 7 ans et ils ont un plus faible index de développement à l'âge de 7 ans. Ceux qui régressent après 4 mois ont une restriction de croissance à l'âge de 7 ans, de même que ceux qui rattrapent très lentement, donc c'est le groupe C, hein, vous voyez, c'est quand même un rattrapage très lent, eh bien, ils ont un déficit à l'âge de 7 ans. Et donc finalement, ceux pour lesquels les valeurs sont au vert, je vous ai mis un cadre vert exprès pour toutes les dimensions analysées, eh bien, c'est ceux qui ont eu un rattrapage approprié. Et au passage, ceux qui ont eu un excessif catch-up growth, ils sont évidemment à risque d'obésité à l'âge de 7 ans et d'augmentation de la pression artérielle, avec pour autant pas de retentissement sur leur développement intellectuel. Donc, ce que préconisaient les auteurs, ils disaient que la trajectoire de croissance optimale est un rattrapage au 30e percentile à 4 mois, puis un rattrapage modéré par la suite pour être au 50e percentile à l'âge de 7 ans. Donc, quelles recommandations on peut donner pour la nutrition des nouveau-nés avec RCU? Donc déjà, la qualité de la nutrition pour les nouveau-nés prématurés est importante jusqu'au terme, mais elle doit favoriser le développement de la masse maigre. L'utilisation d'une formule enrichie chez le RCU à terme n'est pas forcément bénéfique pour le développement cérébral, ni même pour la santé cardiovasculaire à l'âge adulte. Et on a bien vu qu'un rattrapage trop rapide dans les premiers mois de vie expose au risque d'hypertension et d'obésité. L'allaitement maternel est le mode d'alimentation le plus adapté, même si le rattrapage pondéral est lent et il doit être maintenu 6 à 12 mois. Et donc la vitesse de croissance que l'on peut conseiller actuellement au regard de la littérature, c'est ce que je vous ai dit précédemment, donc 30e percentile à 4 mois, puis rattrapage modéré pour être au 50e percentile à l'âge de 7 ans. Donc je dirais par ailleurs avoir un effet délétère au long terme, mais je pense qu'on a maintenant quand même un début de réponse, et je dirais des messages, c'est le lait de mère, la masse maigre et le rattrapage progressif. Et enfin, pour terminer, je voudrais quand même aussi attirer votre attention sur le fait qu'il y a plusieurs fenêtres sur lesquelles, dans les 2 premières années de vie, sur lesquelles on sait qu'on peut avoir des événements qui vont être délétères pour l'avenir de l'enfant, mais en particulier, n'oublions pas la période de la conception à la naissance, et donc la santé maternelle. Je pense que une des premières choses à faire, c'est d'avoir une attention particulière sur la santé maternelle, en termes de nutrition notamment, en termes de gain de poids pendant la grossesse, c'est très important. On a tendance à l'oublier. La qualité de la nutrition, aussi dans les études faites au niveau épidémiologique dans les pays à bas niveau de développement, le problème des grossesses chez les jeunes femmes qui sont encore pubères. Et donc, il y a un certain nombre d'interventions qu'il faudrait prévoir, j'allais dire, avant et pendant la grossesse. Je rappelle que vous connaissez ce concept des 1000 premiers jours, qui ne sont pas les 1000 jours de Macron, hein. Les concepts des 1000 premiers jours, scientifiquement, c'est de la périconception à l'âge de 2 ans. Et on sait que durant toute cette période, eh bien, on peut avoir des facteurs négatifs qui vont intervenir, mais aussi des facteurs positifs, hein, puisque c'est une fenêtre de vulnérabilité, mais aussi une fenêtre d'opportunité. Je vous remercie de votre attention.